se retrouve dans une petite vidéo. Donc j'ai fait un petit mini haul chez Action puisque j'avais des choses à prendre là-bas. Donc du coup j'en ai profité au rayon loisirs créatifs pour me prendre 2-3 petits trucs. Donc j'ai enfin trouvé le petit vernis gloss puisque comme vous le savez je l'avais acheté en mat. Et ce coup-ci il y en avait en gloss, donc je vais pouvoir l'essayer. Je vous ferai un petit test dessus sur celui-ci. J'ai trouvé aussi, du coup, moi j'ai mon Action et juste à côté j'ai Brico Dépôt. Donc j'ai repris ce petit lot là, donc j'en ai pris deux pour 10 centimes puisqu'ils étaient en promo, donc j'en ai pris deux pour le coup. Toujours chez Action, j'ai trouvé des pochoirs comme ceci. Donc voilà, donc dedans il y en a plusieurs, il y en a 4. Donc on va les ouvrir, on va voir ça ensemble. Je vais, comme je vous l'ai dit, je vais faire avec mon imprimante 3D. Donc du coup, je vais me rendre compte un petit peu de l'épaisseur. Alors là, c'est des nouveaux, parce qu'avant les autres étaient noirs. Et maintenant, ils sont blancs, ils sont un peu plus solides, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est très fin par contre. Voilà, on a celui-ci. Donc ils nous mettent des petites pochettes en. Ça peut toujours servir. On a celui-ci qui peut être pas mal pour faire un cadre. C'est une taille A5 hein, pour vous donner une idée. On a celui-ci. Oh, la qualité super. Si vous remarquez bien, vous verrez qu'en fait il en reste des bouts. Super bien découpé. Hein. Rien à dire. Donc là il reste les bouts dedans. Hein. Bon. Pour le prix, j'ai payé ça 64 centimes, il me semble. Bon. Et celui-ci. Donc pareil, et là on se rend compte que celui-ci à craft était faux, si vous remarquez bien. Donc voilà. Donc voilà, cela 64 centimes. J'ai pris une deuxième, du coup j'en ai pris un deuxième comme ça. Donc c'est pas tout à fait les mêmes dedans. On peut l'ouvrir aussi, on va profiter. Voilà. Donc on a celui-ci, pareil, il y a toujours ces bouts qui restent, donc toujours pour le même prix, hein, pour 64 centimes. On a celui-ci, pareil, comme vous pouvez le voir, il reste encore des bouts dedans. Un autre comme celui-ci, avec plein de petits points. Alors ce qui est marrant, c'est qu'autour, on retrouve des petits points collés. Je vais en avoir partout là-dedans, je le sens bien. Et voilà, un effet aussi comme ça. Toujours à 64 centimes. Hop, on met ça de côté. J'ai pensé à ma colocopine, ma super poucave, comme je l'appelle, ma poucave à colo. J'ai pensé à Déborah et je sais que tu les as pas. Donc voilà, elle va recevoir les 3 packs d'aquarelles nacrées. Voilà. Puisque je les ai trouvés, je savais qu'elle les cherchait et que moi je les ai trouvés dans mon Action. Donc ça, Débo, c'est cadeau pour toi. Parce que bien sûr, elle m'a envoyé aussi encore une surprise que vous allez découvrir prochainement. J'ai trouvé ça au niveau. Voilà, ça m'échappe. Au niveau nouveauté, j'ai trouvé des pastels métalliques. Donc, je vous ferai le test dans une autre vidéo pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça a vraiment l'effet métallique ou pas? Je ne sais pas, je les ai toujours pas testés. Donc, dedans, ça me paraît hyper léger par contre. Ça a l'air métallique à vue d'œil comme ça. C'est très léger. Donc, je vous les montre et dans une prochaine vidéo, je vous fais le test. Ça, on pourra voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, qu'est-ce qu'elles sont fortes! Waouh! Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière dessus? Des couleurs métalliques pures en bâtonnets de pastel. Les bâtonnets ronds sont parfaits pour finaliser les détails avec le bord du bâtonnet pour couvrir toute une surface à colorer avec le côté du bâtonnet.
On se répète, dans les pastels métalliques donne un super résultat sur les surfaces à texture, pouvant retenir les pastels comme le papier noir, le carton, etc. Donc, on verra bien. De toute façon, je vous ferai le test en vidéo, ça c'est sûr. Et j'ai trouvé aussi cela. Donc, il y a dedans 15 pièces. Donc, voilà. Donc, on retrouve dedans là. Voilà. Il y a une gamme comme ça et des métalliques marqueurs. Donc, les métalliques marqueurs, c'est un peu plus gros. Et là, c'est des gel pens. Donc, pareil, je vous ferai le test en vidéo, voir ce que ça donne. Hein, comme ça, on pourra les découvrir chacun leur tour. Donc, voilà. Voilà mon petit haul chez Action. J'ai trouvé deux, trois petits trucs. Après, ça n'a rien à voir avec le colo. Mais vous pouvez trouver pas mal de petites choses. Par exemple, tu vois, j'ai trouvé pour la maison des petites tasses à 3 euros et quelques. Il y a aussi pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez trouver des promos sur les chaussettes. Il y a énormément de chaussettes en promo, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Il y a énormément de choses en ce moment qui sont assez avantageuses. Donc voilà, moi je sais que il n'y a pas une seule encre dans mon Action. Ça, je tiens à le préciser. Donc si vous êtes dans ma région, oubliez, il n'y en a pas à Blois. Donc voilà. Et la machine a embossé, il en restait une. Donc voilà. Pour vous donner un petit peu une idée, on voit entre un Action ou un autre, il y a forcément des différences. Donc voilà un petit peu ce que j'ai trouvé par chez moi. Et puis bah, de toute façon, ça sera l'occasion de vous les présenter dans des vidéos tests. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker.